jours. Alors aujourd'hui, on va terminer cet album et on va faire cette partie-là. Alors, il n'y a plus grand-chose à faire dessus. Donc on va le mettre sur le côté. Et moi, je vais continuer mon album Noël que j'avais commencé avec vous pour faire l'intérieur. Donc on avait fait tout ça, plus les petites pages et la grande page. Donc on va faire le fond. On va faire déjà le fond. Donc moi, je vais prendre mon craft que je vais positionner sur la page et je vais laisser du noir tout autour. Et au niveau de la pliure, je laisse bien un demi centimètre. Voilà. Je positionne, je trace ici et je trace ici. Je coupe. Et je colle cette partie juste au fond. Alors, une fois qu'on a collé le fond, on prend une feuille A4 qu'on vient couper à 12 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm. On marque le pli, on positionne sur la couverture tout en laissant une bordure de brun tout autour. C'est juste pour faire joli. On marque en bas, on refait un pli, un centimètre plus loin, on coupe. On marque le pli, on coupe les angles et cette partie-là, en haut, en bas, sur le côté, on colle juste sur le bord tout en laissant du brun tout autour. Alors, on obtient dans un premier temps une pochette. On reprend une feuille ou une chute si vous avez et à 12 cm, on coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm. On marque le pli. On positionne sur le bord. On trace sur l'autre bord, on fait un pli, 1 cm plus loin, on coupe, on marque le pli, on coupe les angles et on colle de chaque côté et en bas sur cette pochette. Je prends une feuille A4 et je vais venir la positionner sur ma pochette pour être sûre d'avoir la même dimension, que la pochette ne dépasse pas, parce que ça ne ferait pas joli du tout. Et je coupe. Je fais un peu de pince. Et dans l'autre sens, je vais venir couper à 20 cm. À 1 cm du bord, je fais un premier pli. ¼ mm plus loin, je fais un second pli. Je marque les deux plis
pour avoir la petite épaisseur pour pouvoir enfiler les cartes dedans sans souci. Donc je coupe les angles et je viens coller cette partie là juste ici. Voilà, vous avez votre pochette qui se met juste ici où vous pouvez glisser des cartes. Ici, elle s'ouvre comme ceci. Vous pouvez en glisser ici. Vous n'avez plus que votre décor à faire. Alors surtout, n'oubliez pas de mettre votre flippette juste ici pour fermer le tout, comme celle-ci. Alors souvent, on me demande où je l'ai acheté. Donc vous allez sur Scrap Merveilleux et vous allez dans Embellissement, dans les ferrailles, et vous tomberez dessus. Donc voilà pour la dernière partie de ce tuto. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.